je m'appelle Léonore et je suis chargée de projet à la maison d'édition Bouton d'Or Acadie, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Et le slam dans ma vie, ça fait partie de capturer les moments de tous les jours, la musique de tous les jours, les bruits ambiants, mais aussi les gestes. J'aime beaucoup la langue des signes et le slam pour moi, ça permet d'allier mon amour pour les mots, le théâtre et la langue des signes. Tes sens. Dans tous les sens. Haut, bas, droite, gauche, avant, arrière. Ton corps danse, se sync en syntaxe, au rythme de tes synthés, tes mains. Ta langue, un cadre spatio-temporel accroché autour de toi. Un cercle dans lequel tu hula hoop, tu hope et tu hop. Tout un éventail de traits tracés autour de tes lèvres, des dalles de labyrinthes labiaux. Les arabesques s'envolent de tes cordes vocales, tiptoe jusqu'au bout de tes doigts. Si tu tires le trait, bold, droit vers l'avant. On s'en retourne vers le futur. Une impression de vue finie. Touche ton œil et secoue les mains vers le bas, juste une fois. C'est pissour et ça veut dire déjà vu. Tire le trait plus loin et tu as touche finie. Ça veut dire je l'ai déjà fait. Mais si fait, ce déjà fait pourrait être déjà touché, déjà voyagé, déjà lu, déjà écrit, déjà signé, déjà pensé. Toute une panoplie de verbes qui basculent avant-arrière sur le swing paradigmatique. Digue tes doigts quand tu le dis. Langue des signes. Ferme tes écoutilles et ouvre grand tes mains. Ta parole, elle ne dépend pas de ta voix, tes oreilles, tes appareils, ton profil Facebook, la couleur de ta peau. Prends tes peaux de couleur, tes doigts sont des pinceaux et peinture se vide devant et derrière toi. Car ta parole a du poids, qu'on ne mesure ni en métrique ni en mille, ni en grammes ni en onces, ni en centimètres ni en pouces. Ta parole ne s'oppose pas à tes pouces. Ta parole prend l'espace de ton corps et ton corps prend l'espace qu'il prend. So take it. Capture l'air avec tes mains et relâche tes mots en même temps. Et quand tu auras tout dit, tout touché, tout voyagé, tout lu, tout écrit, tout signé, tout pensé, alors tu diras « touche finie ».